Je sous-signais Zakaria Haddad, aka Zach Nani, autorisais mes abonnés à regarder mes vidéos en cette période de confinement. Signé le BG. Voilà les potes, donc là si un policier vous arrête parce que vous êtes en flagrant délit de regarder une de mes vidéos, vous lui montrez cette autorisation express et vous ne serez pas dans la merde. Y'a les potes, vous allez bien ou quoi? Bon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Enfin, c'est le premier jour du confinement, il est midi et demi, donc ça fait à peu près 30 minutes que vous ne pouvez plus sortir. Mais ça va bien aller, ne soyez pas trop stressés, ne soyez pas trop anxieux, c'est provisoire. Moi personnellement, pour essayer de me donner un petit peu de la force, je pense à l'après. Enfin, j'avoue, je pense aux choses que je vais pouvoir faire après la première soirée, après confinement, waouh, la première sortie, le retour au stade, et bon, même si ça prendra quelques semaines, je suis sûr que ça devrait aller, et en tout cas, vous pouvez compter sur moi pour vous divertir, je serai en stream à peu près toutes les après-midi, et vous aurez plusieurs vidéos dans la semaine, bah, de toute façon, il ne reste un peu plus que ça à faire. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de retourner sur Black Ops 2. Ouais, 3 vidéos sur Warzone et ça décide de retourner sur Black Ops 2. Non, déjà, je suis nul. Pas je suis nul, mais j'ai fait un top 1 le lendemain de la sortie. Et là, toutes les vidéos que je vous propose, je tente. Je suis là, je veux rentrer. Je rentre et ça rentre pas, frère. Les top 1 ne marchent pas, je suis naze. Donc j'ai décidé de faire autre chose, histoire de m'aérer l'esprit. Et la prochaine vidéo, ce sera un top 1 obligatoire. Je ne reviens pas sur YouTube tant que ce que je vous poste pas juste après cette vidéo-là, c'est pas un top 1. Bon, en attendant, nous voici sur Black Ops 2. Enfin, pour les bonnes raisons que tu vois avec le confinement et tout, je me suis dit c'est assez logique, les gens vont retourner un petit peu, tu vois, sur des jeux un peu classiques et le jeu a l'air plein. En tout cas, j'ai cherché une game tout à... Attends, 174 personnes sur 240, bon bah écoutez, j'ai dit le jeu a l'air plein parce que j'ai lancé une game tout à l'heure, j'ai trouvé sans trop de difficultés, mais je suis inventé. En plus, je suis arrivé, il y avait que des nouveaux niveaux, donc je me disais ok, nouveau niveau, etc. Comme vous pouvez voir là, par exemple, Ferro Freddo. Force à mes Italiens, sûr. Hein. Je me disais, ok, si j'ai pas galéré à trouver une partie, ça veut sûrement dire qu'il y a pas grand... Enfin, qu'il y a du monde. Ou en tout cas, que la carte derrière avec les points était peut-être bonne. Hein, hein, bande de menteurs. Mais voilà, on va aller sur Black Ops 2 et on va se la donner. C'est parti. Let's go! Bon, petit 4v4, je suis avec Cardola Italie. Cardola Italie avec le petit 1. Ah là là, le petit 1, ça veut dire que les types jouent en écran scindé. Ah, tu connais. Attention, un premier kill. Il va y avoir un deuxième type, c'est sûr et certain. Eh oui. Attends, mais là, je suis en train de... Oh, je suis en train de ruiner une game full sniper. Ah, ils jouent tous au sniper et moi, je suis une sale... Eh, je suis un sale type, sérieux. Ils jouent tous au sniper et moi, je suis là, je leur ruine leur confinement à venir avec une grosse fal énervée. Bon, vous allez bien? Bon, personnellement, ça va, hein, même si je pense qu'on est tous un petit peu touchés par... la situation actuelle, vraiment, enfin, je pense qu'on réalise pas dans un certain sens, parce que je pense vraiment que si on nous avait dit, il y a quelques semaines, quelques mois, que à cause d'un virus, on devrait vivre de cette manière, enfin, vivre de cette manière, nous, ça va encore, on est privilégiés, on doit juste rester à la maison, mais bon, en 2020, on est à la maison, on a tout ce qu'il faut, gros, alors en plus, quand t'as les sites de cul qui te mettent tout gratuit, on est limite dolce. Mais attends, mais on va faire une game de ouf, là, qu'est-ce qui se passe? Je me suis porté la guigne. Non, 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 là, il y a de quoi faire, tu vois. Mais bon, on est tous un petit peu impactés, moi, par exemple. Bon, je sais, hein, il y a sûrement dans vos parents, dans vos autres... Je me plains pas, hein, qu'on soit bien d'accord, je vous raconte juste ma vie, comme j'ai l'habitude de le faire. Et moi, par exemple, du coup, mes émissions, il y en a pas mal qui se sont fait annuler. Et donc, du coup, un des trucs qu'on a pu faire, et ça sortira en fin de semaine sur ma chaîne, j'espère que ça vous plaira, mais je mettrai encore une fois un petit disclaimer au début de la vidéo, avec Joël, bah, voilà, vous connaissez Joël, hein. Grand Black qui fait Grand Black. Grand... What? Vous m'avez mis quoi, là? C'est un cheater! Oh, le cheater! Oh, le tricheur! Non, pardon, excuse-moi! Mais c'est pas possible de mettre ça, c'est impossible! Je n'y crois pas, y a triche, je dis non. Grand Renoir qui fait de la muscu, c'est un de mes meilleurs amis, un de mes meilleurs potes, un de mes gars sûrs, comme on dit. Depuis la fin de Radio Sexe, on est pas un peu triste, mais nous, on a vraiment kiffé faire de la radio libre. La radio a fini pour les raisons qu'on connaît, tu vois, genre certains n'étaient plus trop motivés à la faire, il n'y a pas de souci. Mais nous, ça nous manquait d'en faire une petite. Et donc, du coup, tu vois, ce confinement, ça nous a permis dimanche de... Enfin, cette petite situation, ça nous a permis, pour vous divertir, d'en refaire une dimanche. Donc, on était que deux, c'était vraiment très ghetto, très street. Oh là, mon shoot. Mais ceux qui l'ont regardé... Eh, c'est encore le cheater. Regardez le tricheur, bah oui, gros tricheur, moi. Ça nous a permis de vous en faire une, donc du coup, ce n'est pas l'héritier de Radio Sexe, ce n'est rien, c'est juste une petite radio libre entre nous, on n'a pas parlé que de cul, on a parlé de plein de trucs, c'était vraiment grave cool, et ça sortira vendredi, donc j'ai fait un petit best-of, ça sortira vendredi ou dimanche, normalement.
Je vais voir selon la qualité de celui-ci s'il y a des modifs à faire dessus. Vous avez bien apprécié le format à l'époque Best of Radio Sex, donc je me dis voilà, tu vois, un petit best of également d'un format cool qu'on a fait sur ma chaîne et qui était vraiment sympa. On a pu se taper vraiment là les délires, c'est un grand plaisir. Mais du coup, Zach en roue libre et tout ça, malheureusement, bah, c'est plus vraiment possible. Webedia, ils ont fermé, mon gars. Bon, après, comme plein de sociétés, hein, tu vas me dire, mais ouais, ils ont fermé, mon frère. Moi, je suis sous le choc. Mais encore une fois, il faut ce qu'il faut. Il faut ce qu'il faut. Si c'est nécessaire, on dit oui, on fait pas les rebelles, tu vois. On emmerde les, on va pas s'arrêter de vivre et les psychos, je sais pas quoi. On va manger notre pain noir pendant quelques temps. On va prendre sur nous. Ça va bien se passer. On va soulager les gens dans les hôpitaux, tu vois. Moi, attends, j'en avais marre de m'informer sur ce truc et de voir. Mais attends, le nombre d'Italiens là sur Black Ops 2, c'est grave. Enfin, c'est pas grave, mais c'est impressionnant, pardon. Oui, 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 bah oui. Oui, le tricheur, regardez. Oui. Bon, ça va, ça va. Ça, j'avoue que j'ai un peu forcé, c'était pas suspect. On va dire qu'il a un cheat à mi-temps, tu vois. C'est comme quand tu bandes mou. Bon. Non, il faut ce qu'il faut, tu vois. Quand on se renseigne un peu et qu'on a vu le nombre de fois où les médecins, tu vois, les pauvres urgentistes, les... D'ailleurs, force à vous, hein, si vous regardez cette vidéo et que vous travaillez... Oh là là, que vous travaillez à la gestion de ce truc, tu vois. C'est-à-dire que... Attends. Si vous êtes urgentiste, si vous êtes médecin, si vous êtes aide-soignant, si vous êtes infirmier, infirmière, ce que vous voulez, vraiment énorme force à vous. C'est vous les kings de ce moment-là, vous allez nous aider à passer à ce truc et réellement énorme force. Donc là où je veux en venir, c'est quand on voit les témoignages, tu vois, où les médecins, les chefs d'hôpitaux, tous ces trucs-là, les types nous supplient, nous disent « Restez chez vous, c'est le meilleur moyen de nous aider, de pas engorger les hôpitaux, de pas rendre la situation plus grave, etc. » Et que je vois des types qui sortaient encore au parc dimanche et au bar samedi soir, tu vois, « On veut boire la dernière bière avant de plus pouvoir le faire. » J'étais là, vraiment... Gros égoïste les types. Puis ensuite, après avoir fait ça, ça rentre en province dans des régions qui sont pas trop touchées. Hein. Moi, j'étais mort. Je fais putain. Les gens n'ont aucune conscience, se rendent compte de rien. Ah, le retour du cheater. Oui, bah oui. Ça, c'est grave quand même d'avoir aucune race comme ça, putain. Et le mec triche pas à moitié, hein. Il triche, mais à fond, frère. Même Lance Armstrong, il regarde le titre, fait non, 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 même moi j'aurais pas osé. Même moi j'aurais pas osé, c'est grossier ce qu'il met. Mais c'est grossier ce que tu mets, enfoiré. Arrête un peu. Oui, bah oui. En fait, avec le type là, y'a aucune surface qui peut te sauver, tu vois. Non. Tu peux mourir face à n'importe quoi, c'est horrible. Ah merde, 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 y'a un type devant moi. Un sniper, regarde, regarde. Hop. Encore un gars derrière moi. Merde. On l'a perdu, 30-13. 30-13, je peux difficilement faire mieux. Ah, et 32-13 en face, hein. Ah, tu fais 2 kills de plus parce que tu triches en fluant. Ah, ça me dégoûte. Les tricheurs, gros, c'est autorisé que au jeu de cartes, en famille. Bon, on va en faire une deuxième, moi je ne reste pas sur cette défaite, c'est bon. Attends, on va reporter monsieur le tricheur, il est où. Toi, Nico Inter, là. Eh, signalez joueur, tricheur, bouh. Tu as dit, t'es chez Activision, t'es là, tu regardes les revues de triche et tout, t'es là, tu... Ok. Quoi? T'es en train de te plaindre d'un gars triche dans un jeu vieux de 7 ans? Mais va te faire enculer. Bon, je vais pas quitter la game, simplement parce qu'il y a pas beaucoup de game. Non, par contre, excuse-moi, il y a que des Italiens. Regardez, Ferro Fredo, ça sent l'Italie. Nico Inter, ça sent aussi l'Italie. Bah, Cardola, Italie, bah, il y a littéralement Italie dans son blaze. Mito P1, Ita. Ah, je suis avec le tricheur. Bon, ça va. Ouais, ça, c'est égoïste, je ne le subis pas. Là, c'est comme les types qui vont faire des rations de guerre, gros, ils vont s'entasser dans des supermarchés. Ah, l'égoïsme à son paroxysme, frérot. Je ne me plains pas de ce que je ne subis pas. Vas-y, du coup, moi aussi, je vais prendre un sniper. Hein. 3 barres, oh là là, mon dieu. Oh la connexion. Oh la connexion de merde. Oh le pré-shot. Oh le pré-shot qui arrive. Oh le pré-shot international. Oh là là le pré-shot. Oh le pré-shot. Oh le pré-shot. Oh le pré-shot. What? Oh, ok, le bâtard. Oh là 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 là, le sagouin, gros. T'as pas le droit de faire ça, gros. Autant sur Warzone, tu tombes sur le Dragon 9, je dis rien. Autant là, t'es pas un chic type. Non, j'étais dessus, gros. D'ailleurs, moi, des trucs que j'ai retenus en Italie et que j'ai trouvé archi stylé, c'était les vidéos des types qui chantaient à leur fenêtre. Et notamment, il y a une vidéo qui tourne sur Twitter. Bon, vous verrez sur mon Twitter si vous voulez la voir, tu vois, mais c'est un... Merde. C'est un ténor italien, tu vois, un type avec une grosse voix, tu vois, d'opéra qui chante à sa fenêtre. Merde. Je suis nul. Voilà.
Mais je suis trop nul! Je rate des types qui bougent pas! Non! Et donc du coup, tu vois, le ténor, il est là, il chante à sa fenêtre. Mais il chante, tu vois, les trucs d'opéra. Ouais, ceci est une imitation douteuse. Et ça aggrave du flow, tu vois. Moi, j'ai juste le seum parce que je sais pertinemment que chez nous, gros, quand ça va commencer à chanter au bout de 3 jours de confinement parce que les gens, ils auront rien à faire et que ça va chanter « Donnez-moi de la moulaga », je sais que je vais avoir envie de mourir, gros. Bon. Duel de nul, hop. Le moins nul ressort vainqueur. On est en train de gagner. Allez, viens. Viens, bébé! Viens, bébé! Viens, bébé! DSR50, c'est un... Oh, le hitmarker. C'est normalement un des... À quoi il joue? Un des seuls snipers où j'étais pas trop immonde. Ok, encore un kill, c'est bien. Petit drone, on avance. Oh là 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 là! Monsieur! On regarde, à ma droite. On recharge. Il ne bougeait pas, mais faut pas le dire. Allez, viens, petit. Encore un kill! Allez, monsieur! Oh, il m'a fait peur! Oh non, non! Et voilà, regardez, encore un tricheur. Ça va, on rigole. Regardez, regardez. Là, si je fais pas minimum 2 kills, minimum, hein. Ça va. La troisième charge de foudroiement m'a mis bien. Non, pas de connexion interrompue! Monsieur, j'étais en 15-5! Lui était en 29-5. Non, 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 la connexion. Bon, de toute façon, la game était bientôt finie, mais. Bon, désolé. On va en rester là pour ma part. Bon, et ben voilà les potes, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Bon courage pour le confinement, ça va bien se passer. Vous pouvez me retrouver sur ma chaîne 4 fois par semaine à peu près, c'est le planning que je m'impose. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine les frères. Bisous.